Alors, Estelle Guillet, votre ressenti sur votre reprise? Alors bonjour, c'était que du bonheur pour cette reprise avec sans faute. Peut-être pas les meilleures notes du monde, mais en tout cas pas de faute. Donc pour le premier WEG avec mon cheval que j'ai eu très jeune, c'était vraiment un bon ressenti. Il était avec moi, il était toujours dans la demande. Et des fois maladroitement, mais il a répondu à chaque fois « Ok, je suis avec toi, on y va, qu'est-ce qu'on fait ?» Donc pour moi, c'est du grand bonheur là. Parlez-nous un peu de Magic justement. Alors Magic était toujours grand, il est né grand, j'ai eu à 3 ans et demi, après on a fait les promotions en Suisse avec. C'est un cheval que mon mari a beaucoup monté en extérieur, qui est très très calme, un cheval très équilibré dans sa tête. Je l'ai monté enceinte aussi, donc c'est un cheval qu'on peut avoir vraiment 1000% confiance en lui. Des fois il fait des petites spécialités, mais c'est vraiment un cheval très fiable. C'est un jeune cheval pour ces épreuves-là, donc pour moi c'est mission accomplie aujourd'hui, même si les notes peut-être seront pas là, mais c'est que du bonheur pour après. Et concernant les Jeux équestres mondiaux, comment vous y plaisez? Alors nous, notre équipe est super, les autres aussi les Français, donc je trouve qu'on a une bonne ambiance au niveau général. Après, pour l'organisation, c'est autre chose, mais en tout cas, les pistes sont bonnes, les terrains sont bons, les écuries sont très bien pour les chevaux, donc on est quand même heureux, je suis heureuse. Magic va bien, les autres aussi, c'est ce qui compte. Place à l'épreuve par équipe maintenant? Oui. Alors, go go les bleus, on va essayer de performer comme les complétistes. Il y a encore du job, je crois, mais il y a du monde derrière nous, donc on va donner le meilleur, je crois. Tous les quatre, on va donner le meilleur qu'on peut. Bravo. Merci.